Oui, monsieur Giovanni, non, je ne peux pas. J'ai fait 48 heures plein le week-end dernier. Ah ben, si ça continue sur la vie de ma mère, je vais travailler chez Uber Eats. C'est bon maintenant? Gomez. Présent. Ça va Fortnite? Bah, Suzy. Ouais, présent. Bonjour, c'est pour les pizzas. Tu restes un petit peu avec nous, quand même? Non, je peux pas. Waouh, c'est chaud, hein? Police, bouge pas! Bouge pas! Oh. C'est quoi ça? Oh, aïe! Ils m'ont confondu avec un mec qui fait des braquages. Et dit Barra ou je sais pas quoi. Je vous propose 30 000 euros. Pourquoi faire? Passer un mois en prison sous l'identité de mon client. Mais t'as pété les plombs ou quoi? Eddy Barra, avant même que j'arrive, on savait que j'allais être là. Oh, ça va la famille? C'est bizarre de te voir sans ta cagoule. Ils veulent te tester, ils croient qu'on les dédaine. Ils vont te faire disparaître. Ça, c'était juste les présentations. Chez nous, on se fait la bise. Oh. Votre demande de liberté conditionnelle a été refusée. T'as commencé à refuser. C'est minimum 6 mois de mandat de dépôt renouvelable. 6, 12, 24, 36. Que des multiples de 6. J'ai un travail pour toi. On a besoin de vous pour récupérer une cargaison saisie par la police. À partir d'aujourd'hui, vous serez Pépito. Il est un peu nul le nom, on peut pas le changer. Mon client n'est pas capable de ses agissements. On dirait un arbitre de Ligue 2. La dernière personne qui m'a parlé comme ça, tu sais ce qui s'est passé? Oui, tu l'as pris. T'arrêtes de me spoiler, Taya, d'accord? J'arrive pas à savoir s'ils sont hyper forts ou complètement cons.